저희 가입사원이 Je suis un peu plus de temps. Différents bords de différentes associations avec nous sur le terrain comme là. Kada Akinata aussi. Akinata nous tout doré et la Kanabalia n'a tout calpalé mais encore par exemple pour voir qui est là ni à Masika à Mnepa. Kalanko nous oui en reka et j'ai pour nous dire un barère. Kalanko ou des en reka pour la nomoka. Kalanko ou des atouts à Emile qui est là. Kalanko ou Bina à Mouni. Voilà des angles qui est un barère. En tout cas, j'aimerais que l'on puisse appuyer. Il faut voir qui est là. La canne bina boule. Donc, à faire bina boule. Très belle bina boule. Donc, au fond là, un ancien, nous les angles. Un est là pour un joueur qui a beaucoup se battu. Il a voulu à tout. M5 qu'elle est amenée depuis le 30 mai. En quelle mauvaise ou y est mon hier là qu'elle est au fond là. La canne tient nos blagues pour la capoco. Pareil, amen pareil qu'elle. Voilà, à qui la France est dans la montagne. Donc voilà na dinage sila kada boka ani tuni kenanga lalala mumu na nakona kana anga keleba aproke wu mumu ambalmo wi no yanga pitila ko yanga swasu mumu na kana kele to kunche msenga kele kunche kenanga lalaka kulika nyeshi kuma ka koyi ko koyi kele kunche ni akila kele mi wu no yi ka jamana la si to na ka jamana mara depuis bitche. Donc, quand on a beaucoup de bravo là, mini trop fanatique, parce que depuis 91 pour assez bima, on y a quelqu'un qui est belle, il voit à quel la canapoué, à quel calamoué, à quel appel. Parce que ni voilà, à un moment là, automatiquement tu vas te retrouver, mini là sur le côté, ou les gars. Donc, à quoi marquer, à un ancien encore. Donc, il y a quand même donc à quoi vie, que des bravo là. Pour que Akina Moubé, malgré le reste, les mecs à Akina Koura Mou, Mako, Jamana Koula, car donc au coup de Baboula, ou que le Koura Mounala, nous, Aïm Ancien. Moi, quand la banane, c'est qu'à faire Mignapo, oui, désormais, Amouni, génération Koura Mouna, et 2010 pour ganasser Bima. En Koura, Kélem n'a qu'à mouiller Jamana Koura Mounala, Mali Koura Mounala, parce qu'il peut gagner au début. Kalanko, Kalanko, Abina, Abina, Kamber sera à Koura. Oui. Nous sommes les fruits de la mauvaise éducation. Kalanko tchéné, aouye à dénoudi. Nous y ma kalanjana sur Mali Konala, aouye à dénoudi. Wapa mumako, mais les mal formés, pour diplôme yanabate mumoulo, angedo, à malayate anakako. Parce que Jamanaka marakoudoua de en formica, en bla ou toana, ou bi anakelemoui, anakelemoui, ka kalanko y kataka, akorota, ka kalanko y kake, paye. Jamana tu vas seka et au conchi au matouamna malidem pour avoir seka on va se faire un désormais on est bien que on va comprendre ce qui est drama à tout n'adam malas c'est drama ame anga fait ben de do akula anga énergie amadou ala anga soro amadou ala anga au parcours amadou akela désormais voici anga kalangu akaboni tuaina le gars on est là bas établi en France. Membre du M5 RFD, ancien membre de l'AIM, ancien secrétaire personnel du lycée Askia. On n'en parle pas dans la presse, parce qu'en tant qu'ancien de l'AIM, nous avons notre rôle à jouer. On a été de l'AIM pour aider pour les bonnes conditions de vie des enfants. Et aujourd'hui, le pays, on aspire à un nouveau Mali, on aspire à un changement. Et nous voulons faire partie de ces changements parce que nous sommes des acteurs indépendants. Parmi les anciens, il y a les plus anciens, il y a les moins anciens, il y a les plus jeunes. Ils sont là, on est tous ensemble. Aujourd'hui, l'école malienne est à la rue, il n'y a pas d'école. Et nous, en tant qu'anciens de l'AIM, il est important que dans ce nouveau Mali, que chacun apporte ce qu'il peut faire. Et nous, en tant qu'anciens dirigeants des associations, des étudiants du Mali, que nous apportons notre pierre à la justice. Et aussi, apporter notre soutien au CNSP, apporter les salutations au comité stratégique du M5, apporter les remerciements à l'imam Tricou et au shérif de Noro, et montrer aux Maliens qu'aujourd'hui, il faut un changement générationnel.
Et pour ces changements générationnels, nous sommes prêts. Nous n'allons pas demander, nous n'allons pas demander, nous allons l'arracher. Nous allons montrer que nous sommes là et prêts pour ça. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on nous a confié, puisque vous, vous êtes les yeux et les oreilles du monde, en tout cas du Mali, donne la main. Qu'on oublie le passé, qu'on arrête de s'indexer, qu'on arrête de dire que c'est la faute à X, Y. Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, les Maliens doivent se donner la main. Qu'on arrête d'être méchants envers nous-mêmes. Qu'on arrête de penser à nos petites personnes. Qu'on pense au peuple qui a tant souffert. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous demandons à nos papas, à nos grands-papas, qui ont eu à servir ce pays, d'avoir pitié de ce pays et de s'incliner, de nous laisser faire les choses. La transition, nous souhaitons que ça soit une transition de courte durée. Nous souhaitons que ça soit une transition de courte durée. Parce qu'une transition n'est pas faite pour régler les choses, mais c'est pour permettre que de nouvelles institutions soient en place. Donc nous, nous demandons que ça soit une très courte durée et que la jeunesse se donne la main, qu'on se prépare pour relever les défis, qu'on vienne, qu'on brigue la magistrature pour travailler pour ce pays. Parce que les vieux, là, ils ont fini et c'est à nous. Aujourd'hui, si nous, nous ne donnons pas la main, nous, si nous nous venons aux affaires, ça ne sera pas pour nos poches. Parce qu'on sera jeune et parce qu'on voudra bien continuer. Et mais les vieux qui n'ont plus rien à perdre, qui ont 2 ans, 3 ans de mandature à faire, penseront qu'à leurs proches et à leur famille. Et nous demandons à ce que les prochaines échéances soient permises aux personnes qui ont moins de 70 ans. Que les prochaines échéances, qu'on demande une attestation médicale des gens atteints de graves maladies, ne soient pas candidats pour qu'ils ne passent pas son mandat à aller se soigner ailleurs. Nous demandons pardon au bon Dieu parce que la maladie, c'est une œuvre de Dieu, ce n'est pas une demande personnelle, mais il va falloir qu'on tienne compte de tout ça. Nous, on est prêts et on va relever le défi. Le Mali a tout souffert et nous en avons honte. Nous avons honte qu'on soit malien et qu'à chaque fois, nous soyons trimballés par des parfumeurs qui n'ont aucun amour pour le pays. Le dernier mot, c'est à l'adresse de la nation malienne, c'est à l'adresse du peuple malien. Oublions ce qui s'est passé. Arrêtons de casser. Parce que les maisons qu'on casse, ça peut être des maisons du Mali. Si on pense que quelqu'un a volé, il faut construire une grande maison. On les dénonce et la justice fera son travail. La maison reviendra à l'État malien. Qu'on arrête de violenter ceux qui ont été des anciens dignitaires. Aujourd'hui, ils ne sont plus aux affaires, ça ne sert plus à rien de leur faire du mal. On se donne la main, qu'on les comprenne, qu'on les pardonne. Ils ont mal fait, ils n'ont pas eu de bons conseils. Eux-mêmes, ils n'ont pas eu une bonne pensée pour le pays, mais que nous, on comprenne qu'on doit les pardonner pour qu'on puisse continuer. Pourquoi? Parce que c'est trop facile de faire du mal que du bien. Donc nous demandons à tout le monde, à la jeunesse, de ne pas s'en prendre aux anciens dignitaires. Même si on rencontre Karim Keïta, il ne gère plus rien dans le pays, il ne peut plus rien. On a une justice qui est digne, qui est composée de beaucoup de jeunes, qui pourra faire son travail. Merci. Donc, nous demandons au CNSP de mettre tout en œuvre pour que l'honorable Soumaïla Cissé soit retrouvé. C'est un père de famille. C'est un Malien, il n'a rien fait pour mériter ça. Si on laisse faire ça, ça veut dire que demain, chacun d'entre nous peut disparaître sans rien. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a des bruits. On a entendu qu'il y a eu des idées qui ne transmettaient pas les lettres. Ça veut dire que les anciennes autorités sont au courant de ces nouvelles. Donc nous leur demandons de mettre tout en œuvre. On a entendu une libération de Ibeka. Avant ça, il va falloir que Ibeka leur dise ce qu'il en sait par rapport à l'honorable Soumaïla qu'on veut parmi nous rapidement.